ma soeur. Donc, je ne fais rien. C'est bon. Je suis content de faire un mois ici. Et mon bébé, elle était petite. Elle est née 800 grammes. Aujourd'hui, elle a eu 2 kilos et quel. Donc, je suis content, très très content. Donc, demain à la maison, je donne mon bébé. Hein? La mission SMK. La sensation au bébé qu'il est encore dans le ventre de sa maman. On s'est promis de pouvoir compter le coup chez nous aussi. Nous voyons l'enfant qui rentre tout petit, tout frêle, qui commence à pousser comme une graine. Le personnel le voit, la maman également voit l'enfant pousser. Et de plus en plus, elle est rassurée par la méthode. Donc, nous voyons que tout le monde y gagne, et le personnel soignant, et la maman, et la famille. Marqué de longues pauses. Avec la méthode Kangourou, il dort plus longtemps. Donc, le cerveau se développe plus bien, moins stressé. Donc, c'est un enfant qui sera plus calme, plus sociable. Alors que les enfants qui sont en couveuse, pour certains en tout cas, trop stressés, donc c'est un cerveau qui est excité en permanence, donc ce sera un adulte qui ne sera pas toujours sociable, toujours stressé. Il n'y a plus de stress, j'ai des montées de lait. Quand il est avec moi, le lait il coule normalement. Quand je ne le voyais pas, je n'avais pas de lait, même quand j'essayais de tirer le lait sur tes barres et tout. Vraiment ça me stressait, ça me rendait vraiment malade. Mais actuellement je suis tranquille. J'ai plus de problème. On résout le problème de la pénation. C'est la première cause.